Carles Pérez avec Sergi Roberto pour Antoine Griezmann. La volée d'Antoine Griezmann. Dani Martin ne peut rien faire. Le premier but pour Griezmann avec le FC Barcelone. Les Catalans reviennent grâce à un autre Français, Griezmann. Le premier de Griezmann. Mais surtout, je pense qu'il compte au double, au triple, parce qu'on disait Griezmann doit donner, marquer le pas en avant, parce que ces deux messieurs-là, ce soir, ils sont assis dans la tribune, mais on va attendre d'abord ces médias qui poussent et la balle de Sergio Roberto. Encore une fois, quelle belle manière de sentir, parce que c'est ce que je dis, c'est pas simplement de voir vite, mais surtout un peu loin. Et Griezmann, il fait l'appel exact parce qu'il va changer de direction dans le dos de Bartra. Il lui marque dans quelle zone. Griezmann, la talle passe derrière le pied d'appui. Sergi Roberto à la récupération. Encore Griezmann, angle pour tirer. Griezmann, golazo d'Antoine Griezmann, doublé du numéro 17 Blaugrana. Le Barça prend l'avantage. Il assume sa responsabilité en l'absence de Messi, de Suarez, de Dembélé. 2-1 pour Barcelone. Vamos, vamos y vamos. Parce qu'on dit des fois mettre son équipe sur ses épaules. En espagnol on dit tirar del carro. Il a tiré, mais surtout, encore une fois. Ah, celle-là, elle est... Eh oui, quand on parlait joie, festivité. Parce qu'en plus, ça c'est bon, ça veut dire qu'il avait déjà préparé. Et moi j'adore, parce que c'est l'ambition, la confiance. Il va récupérer Sergio Roberto. Il est presque obsessionné. Ah, elle est belle. Pour un gaucher, c'est la situation idéale. Il lui reste pratiquement hyper bien placé. Mais en même temps, il faut que la frappe soit subtile, raffinée, juste, déposée, parce que des fois un peu trop de puissance, dévie,